Hey, 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 cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Crooks The Big Heist, nouvel épisode, nouvelle mission. C'est pour ça que la semaine dernière, je n'ai pas fait d'épisode, parce qu'en plus, comme je suis partie en vacances, machin, tout ça. Bon, bref, je voulais être clairement consciente. Wouh! J'adore cette musique. Clairement consciente, en fait, voilà, d'enchaîner complètement quand j'enregistre la mission, plutôt que de enregistrer à l'avance et deux semaines après reprendre et dire « Ah, j'ai complètement oublié ce qu'il fallait faire ». Nouvelle mission. Mission 16, si je dis pas de bise. Regardez, on est à la fin, mais c'est trop cool, je suis trop contente. Alors, c'est une difficulté de casse de 4 sur 5 étoiles, à mon avis. Le dernier va être archi duros. Mais bon, nom de code, Blowfish, port militaire, Fort Chisel. La barre, ou Chisel, je sais pas comment on dit. La base secrète de Murray est au fond de la mer. Il vous faut un sous-marin pour y accéder. Grâce à vos agissements au Pink Feather Club, il n'y a que quelques gardes en faction à la base militaire. Il n'est pas inenvisageable de vous y infiltrer. Oh, oh. Ouais, bah de garde comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais là, on va aller sous l'eau, quoi. Non, c'est peut-être la dernière. On verra bien. Je lance. Pour venir jusqu'à Murray, il faut passer par Fort Chisel, le port militaire. On traverse le sous-sol, on récupère les codes de sécurité et on détourne l'USS Blowfish pour rejoindre sa base sous-marine. Détourner un sous-marin? Un sous-marin à quai? Je crois que personne n'a jamais entendu un truc pareil. À quai en plus? Oh la vache! Alors, ok. Les murs d'enceinte sont étroitement surveillés. Oh punaise, tous les gardes. Vaut mieux entrer par le portail. Mon Dieu. Je vais envoyer un camion. Vous n'aurez qu'à vous cacher derrière en arrivant. Ensuite, ouais. Il faudra rejoindre l'accès au sous-sol. C'est l'itinéraire le plus avantageux grâce au casque du Pink Feather Club. Ouais. Cet accès ne s'ouvre que depuis la salle de contrôle. Puisqu'on n'a pas d'autorisation, il faudra actionner un interrupteur dans les 4 casernes pour le débloquer. Quoi ? Ah mais ça va être hyper compliqué, je le sens, on en a pour des épisodes et des épisodes. Tout seul. On devrait pas avoir trop de soucis en bas. Ouais, bah dans le sous-sol, c'est dans un ou deux mois. Quelques soldats. Les autres sont encore à rêver de mini-jupes et de flamants roses. Il y a pas grand-chose en sous-sol à part des réserves et un gymnase. Tant mieux. Eh ben, c'est déjà ça. Oui, donc la plus difficile, ça sera vraiment le... Ensuite, là, quoi. Ah non, il y a encore un niveau. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. On commence par récupérer les codes d'activation. Ils sont dans un coffre-fort, dans ce bureau. Ok. Non mais là, je suis bichop, il va être indispensable. Il risque d'être peuplé. Là, on n'a rien pu faire. Même le coup de la clim nous a pas aidé. Merde. On arrive ensuite au plus coton, le quai. Il faut rejoindre le Blowfish sans se faire repérer. Ouais, ça va être compliqué, je crois. Le quai est gardé par des soldats d'élite. Comment dire ? Ça se voit. C'est le genre de gars qui ne va pas se pochetronner la gueule en boîte. Bref, faites particulièrement attention. On voit leurs bras d'ici, ils ont l'air mouse costaud, quoi. Encore ! Mais c'est pas vrai, il y a 4 trucs. Oh mon Dieu. Le poste de navigation est au centre. Arrivé là, on se disperse. Il y a un mec ? Il y aura un marin à bord. On aura juste à l'enfermer quelque part. Ok, d'accord. Donc, il nous accompagnera jusqu'à la base de Murray ? Pas moyen de faire autrement. Il faut qu'on le tienne à l'écart pour lancer les moteurs et l'IEM. Ah ouais, ben oui, ouais. Les dalles de sol qui déclenchent le moteur sont disséminées dans tout le bâtiment. Il faut toutes les activer simultanément avant de lancer les machines depuis le poste de navigation. Oh là 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 là. Au final, pour immobiliser ce marin, il faudra juste un peu de doigté et de coordination. Oh, ça va être chaud, mon Dieu! L'IEM nous fera disparaître des radars. Et c'est là qu'on plongera dans les profondeurs. Ça... J'espère que vous avez 6 mois devant vous. Parce que là, regardez-moi ça. Déjà le nombre de mecs. Et il y a 4 niveaux à faire. J'ai droit qu'à 5... à 4 personnes, pardon. Je sais même pas qui quoi, en fait. Ça va être très compliqué. Terminal de caméra. Interrupteur bascule pour ça, à la limite, tout ça. Je pense qu'il va nous falloir Bishop et comment il s'appelle Lobkowitz, de toute façon.
Je crois que c'est un terminal de caméra aussi. Mais regarde, il y a tous ces trucs-là. Donc oui, ça sera le Covid obligatoire pour qu'ils nous défassent après. C'est encore un terminal de caméra. Bon. Est-ce que je prendrais pas le robot qui m'a été quand même pas mal utile? Lui, il se fait pas voir et il pourrait pas faire pas mal de choses. Et en troisième... En quatre dernières personnes, je prendrais soit Cléo... Je prendrais peut-être Cléopatra. Elle est rapide et tout, et ça peut aider. Honnêtement, je sais pas. Ça peut être distrait. J'en ai aucune idée. Ah ouais, mais j'ai oublié Rufus. Rufus, il est hyper indispensable aussi, quoi. Bah dans ce cas-là, ce sera Bishop, Lobkowitz, Rufus et le robot. Je crois que c'est ce que j'avais pris la dernière fois, je me souviens plus. Là, je regarde, mais honnêtement... On va prendre des... Je sais pas, il y a des sous et tout. Ouais, bah ça va être tellement chaud. Bon sang, je regarde que le truc. Ah, il va falloir des destructeurs et tout, machin. Des blocs-portes. Des pas de loup. Bon. En fait, là, je me prends la tête, je regarde les divots et tout. Je sais ce qu'il faut faire, normalement, à ce stade du jeu. Je reconnaîtrai au premier. Mais je fais confiance, entre guillemets, à mon instinct. Mais bon, je vais me planter. Mais non, je vais prendre l'équipe, comme j'ai dit, quoi. C'est quoi, le topo? Bishop, Rufus, Lopko et le robot. Je pense que... Voilà. Et l'atelier. On va prendre les plus mieux. Tu vas prendre un truc comme ça, un truc comme ça. Toi aussi. Toi aussi. Pff, c'est... Il y a des trucs que j'ai pas débloqués. Ouais, c'est triste. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Un mannequin écho. On va prendre ça. Qu'est-ce que tu pourrais transporter, toi? Regarde, un pouet-pouette. Je vois bien le pouet-pouette. Et je laisse deux cases de libre. Allez, on va partir là-dessus, les gens. Hein? On joue le tout pour le tout. Je pense que ça va être catastrophique, mais bon. Bon, voilà. Chaque chose en son temps. D'abord, parvenir à la salle de contrôle pour débloquer l'accès au sous-sol. Oui, madame. Alors, où est la salle de contrôle? Elle est avec un faisceau vert. Normalement, c'est jaune. Il y a déjà 15 000 trucs. Oui, j'ai compris que c'était là qu'il fallait aller, mais... Il faut débloquer, attendez, parce que... C'est quoi, ça? C'est ça? C'est ici, la salle de contrôle? Oh là 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 là. Ça me paraît tellement compliqué. En même temps, c'est normal, on arrive à la fin du jeu, j'ai une difficulté de 4 sur 5. C'est normal. Nous avons lui qui ne regarde rien, donc nous pouvons déjà rentrer ici. Et désactiver les caméras. Tac. Et ça, ça ouvre. Ça peut être un bon avantage. Du coup, tu vas ouvrir ça. Il n'y a pas d'argent. Non. Mais lui, ça va, il bouge. Parce qu'il y a un mec là, mais il va pas les voir là, heureusement. Parce que sinon, on est mal barré. Hein. Déjà, en désactivant quelques caméras... Ça nous fera avancer, c'est-à-dire qu'ici on est un peu free. Lui ne nous verra pas. Ensuite, bon. Tiens, il y a quelque chose là. Tableau de distrib. Un tableau de distrib. Est-ce qu'on en a besoin? C'est pour les deux portes. Je sais pas. Là, il y a un truc à activer. Ouais. Bon, on va envoyer l'opco. Technico, pareil.
Du coup, c'est un peu fri... Non, tu vas pas parler. Tu peux aller par là, ça va pas te manger. Il y a un mec qui arrive. Il est où? Il est là-bas. Je vérifie quand même. Parce que au niveau des bonhommes, il y en a un qui passe là. Ok. Bon, écoutez, il y a personne là parce que là, on serait repéré à 100 000, hein. S'il y avait quelqu'un dans l'espèce de phare là, je sais pas si c'est un phare. Au travail. Au travail. Tu vas revenir là. Ceux-là, je pense qu'ils vont être enfermés, c'est ça? Mais c'est sérieux, je me suis fait avoir direct. Ah, j'en peux plus de moi. Je commence à peine, les gens, j'en ai marre. Non, mais de toute façon, je me laisse attraper, c'est pas trop grave. Ah, fais tes prières. Bon, bah, c'est la cata. Ouais. Ah, oui, je confirme, c'est la cata, ouais. D'entrée de jeu, paf, allez, je me suis fait eu. Et de toute façon, je pense que ça va être galère pendant. La mission, elle m'a l'air tellement complicado. Mais. Je pense qu'avec autant de ratage, ça devrait aller. Alors du coup, le gars... Attendez, ouais, je vais remettre... C'est pas ça, retour au jeu. Mettre les infos sur les gardes. Attendez, attendez. C'est ici? Mais le mec, il est là-bas! Il est si rapide! Ok. Ok, bah tu vas venir là, Lobco. Vous allez tous venir là. Nous, on se protège, hein. Bah, il est pas si rapide que ça, mais... On s'est fait eu quand même direct. Voilà. Ah tiens, il y a un autre faisceau qui arrive, donc ça va. Ouais. Un marin, hein. Attention, hein, ça rigole plus, hein. Oh, j'étais dans la tour. Vous avez vu ça? C'est magnifique, on se voit dans un sleeper d'un coup. Ok, il est parti. C'est parti. Ouais. Non, parce que là... Hein, d'accord. On est d'accord sur... sur la chose. Ouais, il y a les par étapes, hein, les gens, de toute façon. Mes petits culs. Parce que là, si la salle de contrôle... Ah, c'est ça. C'est que c'est fermé. Une serrure accrochée ? Je peux l'ouvrir, Jean-Jacques ? Impossible. Mais si. Si, viens, gars. Voilà, t'es caché. T'es comme le steak. Alors, après. Il y a des trucs à faire ici. On a une clé. Clé de coffre, ok. À côté des poubelles. Bon, ici, c'est pas très très intéressant, mais il y a un terminal de caméra plus un tableau de distrib. Une porte à ouvrir, mais on a une caméra. Mon dieu, ça va être... Faut rentrer là. Ok, bah d'accord. Donc on a déjà une seule entrée pour cette porte, donc il faut que... Voilà, hein. Je suis déjà dans la mouise. Il faudrait en fait que Lobkovic arrive par ici, touk touk touk, et sur le côté, il aille défaire la caméra pendant que Bishop aille lui là. Et c'est compliqué parce que je vous rappelle qu'il y a des mecs aussi qui se baladent. Hein. Moi, je peux. Il résiste aux compétences Rufus. Et lui aussi, j'imagine. Ah non, on peut l'étourdir lui. Le mieux serait d'étourdir quand il est là. Bah, ça peut être une étape. Et on laisse Rufus ici. Et on envoie les deux autres. Ouais. Oh là là. Je me prends déjà le chou. Est-ce qu'il y a des choses à faire là, dans ce cas-là? J'ai l'impression que c'est le même schéma à chaque fois. Hein. Il n'y a qu'une seule entrée. Et il y a toujours une caméra ou un mec.
ou deux mecs. Mais celui-là, c'est pire. Oh là 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 là. Je veux jamais m'en sortir. Je serais bien obligée, hein. Vous voyez pas tous les trucs. Non, mais on va faire ça. On va faire ça. Ouais, on va faire ça. Il faudrait que tu réactives là. Normalement, c'est bon, il passe. Tu vas bien? Loco, tu peux venir aussi. Ouais. Bien reçu. Est-ce qu'il voit à travers les buissons? Ouais. Il y est en plus là. Ouais, mais le temps qu'il y arrive, c'est mort. On va devoir attendre. Et Bishop aussi, je suis bête. Bishop doit venir aussi aussi. Bon bah le robot aussi, hein, tant qu'à faire. Non alors. Je retire. Non, vous allez pas passer devant le gars non plus, hein. Ce serait suicidaire. Ah, je vous jure. Heureusement, je m'en rends compte, sinon je me serais encore fait avoir. Voilà. Discrètement sous le lampadaire. Lui, il est tellement buggé et tellement pourri, il va même pas voir les mecs. Ok. Va falloir. Slash Wiffin. Ça veut dire que Lobco, tu dois aller. J'avais dit, il fallait qu'il aille là. Oh, mais comment voulez-vous qu'il y aille? Il y a tellement de gens. Lui, il est en train. Non, lui, il est en train de partir. En fait, faudrait que tu ailles. Je lui fais un parcours du combattant, le gars. Allez, vas-y. Oh, bah, avec un peu de chance. Non, mais regardez, il va limite y arriver, quoi. J'hallucine. Non, il y a l'autre qui arrive. Non. Je. J'hallucine. Ça a fonctionné, quoi. Juste avec des couilles. Et hop. Une serrure à crocheter ? Ouais. Tu peux aller là aussi, toi. Wow. Et j'ai dit, lui, il fait quoi ? Ah, mais je t'en pose. On fait quoi maintenant ? Oh ! Technicos pareil. Oh non, je me fais eu là. Non, 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 non. Mais... Oh ! Il était tellement bien placé ! Oh là là là. Et toi là ? Punaise, le stress, il y a un gars qui est là. En même temps, les camions s'étaient fait pour et on nous avait dit qu'il fallait nous planquer derrière. Mais quand même. Ok. Maintenant, ce qu'il va regarder là. Oh. Vous avez dit compliqué? Je m'en demande quand vous parlez! Oh, dans ce temps-là, avec ta soeur, il peut pas ici, ça sert à rien. Faut que tu viennes là, Gaston. Tu peux pas passer là? Ah, si, si tu longes. Oh, je sais.
Oh là là, mais j'en peux plus de moi. Non ! Non ! Mais j'ai appuyé sur... Ah ! J'en ai marre. Ouais, ouais. Ah oui, j'en ai marre. Au travail. Mais tu peux venir là. Pourquoi j'y arrive pas? Mais j'arrive à faire aller le jeu. Mais Bishop! Oh non, mais on est mort. On est mort. Ah, le topo! Chouette! J'en puis plus! Vas-y, ouvre! Mais non, mais. Bah oui, il va le voir! Tu vas bien? Bien sûr qu'il va le voir! Chouette! Non, mais j'en ai marre! Non mais je vais jamais y arriver en fait à cette mission, je le sens. Là ça va être trop compliqué pour moi. Je déprime, ça y est, dans mon cœur je déprime déjà. Non mais voilà où ça me save quoi, bonjour. Au travail. Mais non. Regardez, il va le voir. Chouette, des entrées. Je viens te chercher. Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te trouves? Où es-tu? Oh là 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 là. C'est fini. Ça faisait pas partie du plan, ça. Bon, eh ben écoutez. Moi, je vais arrêter là pour l'épisode. Il sera court, mais il va falloir que je réfléchisse à comment le faire parce que là, je sens qu'on va être très compliqué. Ouais, voilà. Allez, je vous fais des très très gros bisous. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé pour ce retour de Crooks. Je vous dis à très bientôt. Salut!